Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Dead Island, deuxième du nom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre aventure, notre épopée apocalyptique, si je puis dire. Après avoir battu la mariée, ou le marié, je ne sais toujours pas ce que c'était, elle a même bousillé le gâteau, ou il a bousillé le gâteau, mais je pense que c'était elle, hein. Parce que sur mon record, j'ai vu Becky, je sais pas quoi, donc je pense que c'était une mariée. Hein. Et je pense que c'est tout à fait voulu que ce soit une, parce que justement, vu qu'elle était fat, stock, comme jamais, c'était assez marrant. Elle a vraiment bon lit de là-haut, du noir là qu'on voit là-bas, et écraser le gâteau. On va poursuivre en fonction médicale. Oh, puta madre, it's chloroform. Oui. Les gens étaient balancés vivants dans la piscine. Et fuck you, Major Booker. I'm glad you're dead. Alors, refait le dialogue qu'on a entendu la dernière fois. On va ouvrir les casiers. J'espère vraiment avoir eu toutes les clés. Oh, je viens de développer une. Oh non. Bon, après, il me manque clairement des choses, visiblement. Parce que de toute façon, en fait, moi, c'est ça qui me perturbe dans ce jeu. C'est que j'ai des clés pour certaines choses que je n'ai pas apparemment. Genre, je me souviens qu'il y avait des sacs, des coffres et tout, je n'ai pas pu ouvrir. Et ça me laisse penser que le jeu fait en sorte que tu sois obligé de tout retaper à un moment donné. Pour la durée de vie finalement, voilà tu vois. Clé de l'estafette. Qu'est-ce que c'est l'estafette, je ne sais pas. Bon, on dirait que vous avez fait le job ici, effectivement, on va se casser. Getting to Santa Monica will be easy with a whole bunch of us. Yeah. Yeah, this is gonna work. J'aurais bien voulu que l'essence prenne feu. Ah, dégage. Voilà. Je savais qu'électricité, il y avait moyen. Bon, pas exactement comme j'aurais voulu, mais... toujours moyen d'arriver à s'en sortir. Voilà. Crame, saloperie. Ah, toi aussi, crame. Attends, mais là-bas, c'est ouvert. C'était pas ouvert avant. Parce que là on s'en va où là? Ah ouais, regardez, là ouais, on voit toutes les caches. Hein. On voit qu'on a rien fait quoi. Dès que vous avez trouvé le zombie qui a la clé secondue. Ah, c'est des zombies qui ont la clé, c'est pour ça. C'est sûr, il y a des zombies bien spécifiques à trouver. Ouais. Mais tout ça, moi j'ai pas fouillé de souvenir. Là, ouais, effectivement, on a ouvert. Là, c'est fait. Là aussi, très bien. Pièce à récupérer, mais je suis full. Et là, on est d'accord que. Ah ouais, et là ça... Ah oh, mais c'est complètement con. Genre vraiment les salles et tout sont déjà... enfin sont refermées. Je trouve ça un peu débile par contre. Écraseur. Ouais, j'essaie de faire en sorte là qu'ils prennent des bons recoups. Mais je sais pas trop. Parce que lui il me parle pas. Je sais pas parce qu'avant il y avait des mecs avec. Il y avait vraiment des mecs. Du Strastock. Avec des crânes de mort là. Enfin des. Oui.
On va peut-être prendre... Alors ça c'est un peu chiant. J'ai pas... C'est une arme. Ah, il y a des choses qui m'échappent en fait, au niveau des clés et tout, je trouvais. Et là, le fait que il y ait des nouveaux mobs me laisse penser du coup que visiblement il y a un truc qu'on peut faire. Ah, je vais me faire tuer. Hein. Putain, je me suis fait tuer. Je comprends pas très bien comment marche le jeu en fait à ce niveau là. Parce que par exemple tu vois genre en fait le problème c'est que le jeu pour moi souffre d'une chose, c'est le respawn des zombies, des choses. Parce que moi j'ai tué des zombies qui étaient ultra stock à cet endroit là, qui visiblement ont respawn mais c'est plus les mêmes. Mais visiblement ils ont l'air quand même bien cheatés. Et merde, j'ai plus sur mon coup. Bonjour madame. Non, puis même là, le fait d'avoir fouillé le truc à côté et de voir que c'est à nouveau ouvert, enfin, je trouve ça complètement con. Enfin, je sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais ça là, dans n'importe quel jeu, tu l'aurais fouillé, il serait dans le même état. Ici, on l'a fouillé. Regarde, même les valises, je les ai fouillées, il faut les refouiller à nouveau. Enfin, je trouve ça complètement con. Quel est l'intérêt de fouiller si ce qu'on a fouillé se reset à l'infini? Tu y passes l'éternité du coup à faire cet endroit là. Il y avait un cadavre normalement à cet endroit là. Hein. Il y avait un putain de cadavre. C'est un mec qui avait deux mères d'ailleurs. C'est pas une insulte. Donc il faut retourner à Bel Air, annoncer que c'est la full merde ici et que ça sert à rien d'y retourner. Putain, et ça, c'est tout, non, regarde-moi ça. D'où vous sortez, vous? Je peux pas fouiller. Les voitures normales, je peux, mais. Pas les grosses bagnoles. Tiens! Bouffe-toi ça! Saloperie. Ouais, ça respawn à l'infini. Et là, on est d'accord que ça va pas changer. Ouais, non, de toute façon, ça va pas changer. Après, on a plein de trucs qui tout qui filment. Ah, ça me surprend, il y a personne dans l'eau. Presque envie de tester un move là. Que j'aurais voulu tester la dernière fois, mais que vu que ça avait respawn, j'étais en mode banon. Et visiblement, c'est impossible. Il y a vraiment. N'importe qui, n'importe quoi pourrait me mettre sur cette bagnole, mais visiblement non. Ça, c'est vraiment les détails et tout que j'aime pas. J'aime pas. Ça me. Ça m'énerve un peu. T'es là, tu pourrais clairement grimper dessus, mais parce que le jeu l'a décidé, bah non, je peux pas. Est-ce que les bouchons sont bons? Ah ouais. Ok, c'est bien fait à ce niveau-là. Putain, mais il y a des gros et tout qui ont spawn là. T'étais pas là avant. Ah, mais zut, je suis pas avec les mêmes. Putain, mais j'en ai marre. À chaque fois, j'arrive pas à bloquer, hein. C'est un truc de fou furieux. Non, mais bloquer, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable d'arriver à bloquer comme il faut. Tu sais quoi, va te faire foutre. On va avancer. Rien d'autre objectif.
Non, ça va. Hop, même s'il y a des zombies à notre cul, rien ne nous empêche d'y aller. Donc on va pas se faire chier avec les combats, parce qu'on va en avoir plein quand on va revenir. J'ai toujours aucune clé, ça me perturbe. On a plein de coffres forts, on a plein de trucs, on a plein de machins, j'ai aucune clé. Le seul zombie un peu costaud qu'on a croisé qui pourrait peut-être bâcher une clé à la rigueur, c'est celle du le tennisman là. Tennis girl plutôt même. La li la la, la li la la, j'arrive pas à bloquer. Que c'est dur, que je n'arrive pas. Entrer dans la partie. Just gotta tell Ms. Emma Jaunt about this doctor. Once she's on board, the others will be too. Nothing to it. Facile, elle a dit. Facile. Whoa! What the fuck? That's fucking awesome! Ah. Mais les quêtes. Hashtag Minaclick. Des explosions ont retenti sur le toit du trou à rats, sûrement l'œuvre d'une jeune femme nerveuse avec une caméra. Quoi qu'il soit là-haut, elle doit avoir besoin d'une deuxième paire de mains pour en finir. Mais là, je vois personne. Broc du 3 rats. Des explosions sur le toit ont retenti à les voir. Ouais, mais il y a des explosions partout, visiblement. La vache me stocke toi, tu me fais peur. Allez, j'ai voulu bloquer, j'ai pas réussi à bloquer. La définition même de ce jeu, ça sera... J'ai essayé de bloquer, j'ai pas réussi à bloquer. Putain. J'en ai marre. On a démonté les zombies. Il y en a à nouveau. Après je pense à lui. Ouais. Peut-être qu'on aura peut-être les clés du 3A après. Faut que j'arrive à ressortir. Donc théoriquement. Bah là en fait. Ah ouais, ça a mis le feu. Idea ever, right?
problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh shit! Idea! We collaborate! We lure suckers up here, you finish them off Amanda style, and I get crystal clear shots. Dealing with moaners is what I do. Alright, I'm forcément. Game. Then let's fucking go! Blast some tunes and knock any loser that shows up off the motherfucking roof! Super, on va se taper des vagues de zombies juste pour ces images. Et on a un personnage qui est heureux d'être immunisé, elle se sent plus. Jouer de la musique. Was subscribed to her. Bah, on va se faire la vague de zombies, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Allez, ça dégage. Oh là 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 là. Je savais pas encore utiliser mes griffes, j'avais quand même oublié avec l'amélioration que c'était cheaté. Alors ça, je suis assez content parce qu'elle allait me la mettre en pleine figure et c'est moi qui vais lui mettre en pleine tronche. Forcément, fallait une. Allez, dégage. Génial, hein, les griffes améliorées. Quand je les avais eues, c'était cool, mais elles faisaient pas beaucoup de dégâts. Et je me disais que les griffes améliorées, ça allait être beaucoup plus cool. Je sais pas combien il y en a à faire là. Balancer du toit qui était du toit. Ah, balancer du toit! Je suis en train de les tabasser comme jamais moi. Oula. Balancer du toit. Donc en fait, il faut que je les. Ouais, ok, d'accord. En fait, faut que je les amène là où je viens de bégayer, et puis que je les oblige à tomber, quoi. Putain, même moi, je me fais avoir. J'essaie de passer sur les barreaux. J'y arrive pas. Putain! Mais chaque fois, je me fais avoir, j'en ai ras le bol. Ta grosse daronne, elle est énorme. Bon, on va faire autrement. Parce que visiblement, je vais pas réussir autrement. Frère, on risque nos vies pour ces bêtises, hein, j'en ai marre. This video is crazy hype, but we need to get the world watching
So I'm counting on my armada to get this video to 1 million beautiful likes. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais frère, j'en peux plus. Tout ça pour faire une vidéo à la con. On va crever, hein. C'est bêtise. Hein. J'ai pas du soin quelque part. Je me demande ce que j'avais besoin. Voilà. Bah normalement avec mes griffes je vais vite me filer. C'est vraiment fait pour ça. Putain. J'en peux plus. Non après je suis d'accord, hein, je sais peut-être pas jouer bien comme il faut. Hein. Mais c'est un couleur. Substance dangereuse. Tiens, bien fait pour ta poire. Mange mes griffes dans pleine poire. On parle de Brasero et alors. Government has blocked our online signal. They might try to take this video down. So make sure to subscribe to not miss. Tu vas faire cramer des zombies quoi. Tiens, cramé! Saloperie. Putain. Je savais qu'il n'y avait plus de vitres, j'aurais dû me douter. Massacrez-les pour des scènes épiques. Bah ouais. Toujours pour ces conneries, hein. On le rappelle. Allez, je me suis fait tuer, c'était sûr. J'ai pas le temps de me soigner. J'ai pas le temps de me soigner. J'ai vraiment trop peu de vie, hein. Je sais pas comment je fais pour me faire tuer à chaque fois. Tiens. Clairement le boss là. C'est bon, elle est contente? Non, elle est pas contente. Massacrée pour les scènes épiques. Ok, c'est bon. Non, d'avoir risqué ma vie pour ce genre de conneries. C'est vrai que la mort n'est pas punitive en fait. Can I call you bestie? I don't want to alarm you, but that was awesome! We are going to be so famous when this goes live. That was a rush. You gonna spread the word so we can get the fuck out of here? That's still plan A, but no reason I can't raise my name value too. Not that either's happening without a stable internet connection. I know somewhere you can hang in the meantime. Emma John's place. It's not far. What? Bestie? I know you aren't suggesting we break up the team. We can roam this city.
creating beautiful content together. We'll get like Nobel Peace Prizes for our life-saving documentaries. Sure, you can film me some more. But you're dead if you hang around here any longer. Okay. I do need to edit this. If we only get one video, it has to pop. But don't go streaming any gold behind my back. Ok. Aucune défense ne résiste. Le coup volant affaiblit les zombies. On doit aller chez Emma avec les informations. Naclic. Et bah c'était vraiment de la merde. Hein. Je me suis fait saucer mon gars. Comme jamais. Quel joyeux bordel. Bah, je vais chez Emma. Hein. De toute façon, on a rien à faire. Hein. On a déjà tout fouillé. Et visiblement, on n'a pas de clé, rien. Donc. Tout ce qui est cache, pour l'instant, on peut pas l'avoir. Incroyable. C'est tellement gentil. Heureusement qu'il y a encore de l'électricité là-dedans. Hein. Yes, everyone. Carla's back, and she has a plan. Why you keep asking me about Emma? Hey, I'm just trying to help you. On a déjà entendu ça, hein? I'm a guy who can get things for people, things you can't just find in the store, you know? That right. Well, once I see what we're missing, could be I'll be giving you a list. Sure, I'll help you. Just make sure Emma knows who's providing in her hour of need. Ouais, il y a des Carlos. J'ai failli l'appeler Bruno quand même. Non, pardon. Ouais, vent. Garde le reste, même si on est déjà full. Visiblement, apparemment, toi, tu pourrais me vendre tes fusibles, mais est-ce que tu en as? Il n'a pas de fusibles, hein. Ils ont dit le marchand pouvait nous donner, nous pouvait acheter des fusibles auprès des marchands, mais ah si, là, purée. Oh, file-moi des fusibles. Il en a que deux. Ça me plaît. Réparer. On va récupérer. Et on est pas mal. Non, on a rien d'autre. Ok. Si. Regarde dans amélioration. Mais je crois qu'on a rien pour l'instant. Si, voilà. Pour activer vos armes, pour alléger les dégâts de feu. J'aimerais bien avoir des dégâts de feu. Idem sur lui. J'adore la façon dont on a agencé ça avec des chalumeaux quoi. Qui fout des chalumeaux sur son sabre? Y'a rien qui va. C'est beau quand même les jeux. Hein. Automatiser, touche en ligne, d'accord. Bon après tout ça, en vrai on peut récupérer. Hein. Je vais pas garder des trucs. Des mines et des cendres, déjà j'en ai stocké certains. Je vais demander pourquoi. Est-ce qu'on voit le... Attends, d'en vendre. C'est des choses dans lesquelles je suis totalement fou là. Mais j'hésite à lui refiler.
Tu vois ça, j'en ai énormément en fait. Donc j'aimerais bien lui en vendre un peu. Et encore, tu as même ça là. Je peux pas aller plus vite, ça m'énerve, je peux pas rester appuyé non plus. C'est un peu con. Take Nikki Gut for example. She's one of them big game hunters on cable. The more endangered it is, the more she wants to kill it. But you know, sometimes she don't want to fly halfway across the world to do it. So she slides me some money, and I got my connections, right? And we ship the big kitty or whatever right to her. Sure. Of course that bitch is a bad customer. She sure changed me in more ways than one. I'm done doing business with her, Sam. Hell, if the animal kingdom's lucky, a zombie took a chunk out of her already. Either way, now's a good time to get what she owes me. Yeah, so like, listen, my point is, I know you're out the select game, but just remember, you get me out of here, and Sam B, I swear to you that you will live like a king. No questions asked. Alright. Gotta get out there. Smash a few skulls. Show where she needs me. Which way are window face? Quel monde de sacré connard. Alors avant de monter en haut, je suis en bas. Elle est en train de faire le ménage. It's filthy. No, no, no. Don't get up. I'll just keep slaving away. Hmm? Huh? Oh, looks fine to me. How is it that the world can end and I'm still cleaning? Hmm, yeah. If the rich and famous can't find a way out, what hope is there for my family? Hmm. I just cleaned it. D'accord. Ah, il y a un mandat. Elle est arrivée là. Excellent. Ah, c'était pas vite, hein. Oh, elle fait du montage. Déjà, comment les personnes arrivent ultra rapidement. Go away. Guess who's back and spoke to the CDC. Are they coming to rescue us? No, but there's a doctor in Santa Monica. We gotta get going. We? What's this we? My blood is the key to fixing all this crazy shit. Humanity's depending on it. Really? Once they make the vaccine, I'll get you some. No problem. But they need me to get there first. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg. Hey, this is gonna be way more fun with friends. All of us together? We got a shot at making it. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Well, duh. But you can. I'm not the one he's totally crazy about. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam'd risk everything for me. You guys obviously have, you know, history. He had his chance. Real talk? He came back when the world fell apart. This is too big. I'm not doing anything till I've talked to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Let me handle it. But for real, Sam still loves you. I can sense these things. Sam really thinks he can just waltz back into my life and I'll just forgive everything. Quête d'histoire accomplie, l'élu. On a une nouvelle carte visiblement. Ah là! Carla et Ryan, uniquement, je me chauffe à peine. Bloquer des attaques ou subir des dégâts infligés donne un bonus de mineur de dégâts.
The glass is bulletproof, you know? Robert insisted. Turns out the idiot did something useful for once. You, Robert. Je vais voir en bas, je l'ai pas vu. Is this what you wanted, Robert? One final. On l'a parlé, mais. Pas chez Michael de vous aider. Michael, where are you? Hey, keep it down. Unless Michael's got some secret seismic data he wants to share with me, I don't want to hear his name again. Et là, on a rien à faire non plus. You tried his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? Prends l'escalier et va à droite. Hein? Michael, where are you? Michael? Drinks. Good company. And some excitement. What more could I need? Michael. 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 Bon, alors c'est là dont il parlait, l'escalier. Et sa chambre est là. Gotta be it. Michael? Tio. I hope you were happy, you devil. Hey! Oh, that girl. And after everything he's done for her. No. No, that's it. It's time we had a talk, Emma. Don't. Hey, wait a sec. Sorry, madrecita. Do you know where Michael is? Gone. Out there. Oh, perfect. What did you expect? He was a supporting lead. Then this, and Joe, and Sam, and suddenly, poof, he's written out. Talk to me. Where'd he go? Get off me. Somewhere. I don't know. To get her to notice him again. Seriously, what is up with these gringos? Emma acts like she's the biggest fucking star. Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay. Lo siento. All right, I gotta find him. Why'd you care? Emma needs her stupid hype man. He's not stupid. I've lost people. I'm not losing another. I wonder if he would... He took his keys to his place in the hills. I'll go right now. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. I'll bring him back. You'll see. We're not leaving anyone behind. Even your crazy gringos. That's a promise, madrecita. And I will pray. For Michael. Gracias. Super. Il est retourné chez lui dans les Hives pour lui sauver les fesses. Quelle idée! Ah, je vous jure, je suis Michael jusqu'à Beverly Hills. Sam wants some guns. Got any ideas? Not right now. No problem, no problem. I'll fix it. That's what I do. Donc il y a elle aussi, Elizabeth. Oh Elizabeth, t'as pas de fusible si t'en as à me donner. Je veux tout te prendre parce que la fusible c'est la vie. Pouvoir ouvrir les portes sur celle qui est là-bas, tout là-bas. J'en aurais une de ce pas. Ça va chier. Ha!
Da-da-dum. Monsieur. Nickel, on a eu une grosse bobate. Trop bien. Alors là, je suis refait. Chaud d'avoir enfin pu ouvrir des choses. Oh, c'est coché. Faudrait qu'on aille refaire le tour là-bas. On avait un autre fusible. Ailleurs. Je ne vois pas. Ah, là-haut. Ouais, mais alors l'icône fusible, il veut dire quoi? Ça, je suis pas sûr. Par contre, il y avait l'autre à l'autre bout de la rue. Ça, c'est à faire à un moment donné aussi. On va garder ce qu'on a. Hein. J'avais une cache. C'est un établi. J'avais un établi ici. Et c'est là-bas que je dois me rendre. Ah ouais. Et là-bas aussi, il y en avait un. Je vais juste faire un move parce que visiblement mon record ne... Ok, je vous reprends après une toute petite coupure parce qu'en fait, de mon côté, le record avait un peu sauté. Enfin, il n'avait pas sauté, mais en fait, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, je vois plus... Normalement, il y avait un... Le temps que je record est affiché. Mais des fois, il fige. Et il ne m'affiche plus le temps qu'il faut. Alors en fait, les zombies, ils ont upgradé hein, parce que... Maintenant, il n'y a que des gros quasiment. Là où il y en avait des... Là où il y en avait des... Que des petits avant. Et en même temps, quand tu vois comment tu les défonces... Est-ce que cette qui est en bas se tente? Mais j'ai peur. J'ai peur de la tenter. Je me dis, vas-y, let's go. La... Ace entraîneur. Ah, déjà je lui fais plus de damage. Hein. Ah ouais. Ah oui, mais en fait. Bizarre, on perd plus de damage en fait comparé à vous. Clé de voiture de l'entraîneur. Alors, du coup, j'ai chopé bel et bien des clés spécifiques sur ce zombie là. Mais leur clé de voiture d'entraîneur, ça me frustre. Je suis toujours pas allé voir d'ailleurs le point d'interrogation chez l'autre là. Alors ça me frustre parce que j'ai découvert je sais pas combien de choses. Et les clés de voiture d'entraîneur, je ne sais absolument pas ce que c'est. Non, je sais pas, hein. J'ai absolument pas sur. Je vais garder mon arme parce que là elle est en train de s'épuiser de fou. Oh, il y a beaucoup de monde ici. Attends, mais je suis déjà allé là. Ah, peut-être pas. J'ai vu qu'il y avait un fusil, il n'y a pas loin. Oula. Yeah, ok. I'm game. Cours. Est-ce que ça va exploser? Incroyable parce que j'ai remis des fous. Et je pouvais pas arriver mieux. Je vais mourir, j'ai plus de soin. J'ai plus de soin. Putain, j'ai plus de soin. J'ai jamais de soin. J'ai géré tout le long. J'ai fait en sorte, bam, de tout survivre et tout. Et je me fais déglinguer au dernier moment. Touche pas au Grisby. M'énerve, hein.
Ok. C'était... Wouh! Ah, mais oui, mais c'est vrai que ça, ici, je pouvais pas y accéder. J'avais remonté la rue, puis c'était bloqué à cause de ça. Mais je me souviens avoir vu cet endroit-là par une porte et tout de Curtis. Merde, fusible à mettre en place d'ailleurs. Je vais bien aller voir. L'esprit vif, hein. Ah, ça s'est fait éclater les appuis, mais t'en mettre là. Un truc qui faisait qui a tout pété à côté. Je me prends des effets mon gars de paf. Oh, frère, stop. Stop this shit man. Putain. Mais frère, mais je me prends un bidon d'essence qui m'éclate à la gueule, suivi d'une flaque d'électricité. Comment tu veux que j'arrive à m'en sortir? Non mais s'il vous plaît. Ce jeu est la définition du bordel. Je n'en peux plus. Eh bien, tous, faire satelliser. Puis l'autre là qui est tombé là de là pour faire klaxonner toute la bagnole, la connasse. Voilà. On a fait exprès en plus hein. Elle en a fait exprès, je le sais très bien. Bon, moi j'ai fait ça. J'avais pas encore visité ce quartier-là en plus. Je me souviens l'avoir vu, ouais, voilà. J'avais ouvert cette porte ici, de chez Curtis. J'ai fait, ah ouais, non, on fera plus tard. Et bam, j'étais reparti sans dire au revoir. Mais fils de ta mère, quoi. Et de ton père, le chauve. Tiens. Let's see how Beverly Hills is holding up. Allez, Beverly Hills, et on va s'arrêter ici, voyage rapide. Blablabla. Oh, quel épisode. On n'aura pas fait grand chose en vrai. On aura fait la quête secondaire du 3 qui était entre guillemets obligatoire, puisqu'en fait on allait forcément passer dessus. Il manque toujours un point d'interrogation. On a fait quelques fusibles. Il y a celui aussi à côté de l'autre. Après, il y en a les caches du coffre-fort. Les clés de la sportive, je ne sais absolument pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut voir les maps? Je sais pas. Ça, je vais voir sur internet. Comme ça, moi, je serai à peu près où il faut aller. C'est long. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide. Non bah on aura fait un bon épisode encore une fois, mine de rien. Toujours autant un peu de rage de mon côté du fait de ne pas réussir à bloquer les zombies. Mais ça c'est vraiment parce que j'ai pas de skill. Et puis non mais c'est débile, les réactions en chaîne là. Le bidon d'essence, enfin déjà la bagnole, bon c'était calculé. Mais le bidon d'essence qui m'explose à la figure, suivi des trucs d'électricité, j'essaie de barrer, j'y arrive pas. Et je me prends des coups des deux jupes, j'ai plus de soin. Mais... Oh là là, le cataclysme sur patte. Est-ce que c'est bon? C'est ça me rend fou là, ces menus là où on voit les zombies se faire t'éclater mon gars.
Tecla, comme on dit. Clé à molette. Alléluia. Ah, j'en baille, je suis fatigué. Bosser toutes les journées. Ouh. Oh, c'est stylé. Solduk Estate Reality Open Up. J'aime bien la façon dont il... où il justifie la map par le fait que ce soit des cartes de... Des cartes à fouiller, qu'est-ce que c'est que ça? Coin écraseur, on rencontre beaucoup d'écraseurs dans cette zone. Il y avait une zone où il y avait des mecs ultra costauds, peut-être que maintenant j'arriverai peut-être à me le faire. Bon bah parfait, bah, on va être reparti pour fouiller plein de maisons. Plein de maisons. Mon dieu, Beverly Hills. Ça va être long. Bon. Eh bah, parfait. Et là, il... Ah, mais ouais, on peut voir. Ah, oui, d'accord. Beverly Hills. Et si je vais... Je peux pas voir les maps? C'est complètement con. On voit qu'il y a une dizaine d'emplacements quand même, hein. J'aurais voulu revoir les maps. Bon, tant pis. Eh bien, écoutez, on voit aussi qu'il y a les différentes quêtes histoires. Il y en a encore deux à faire. Donc déjà, celle qu'on est en train de faire, plus une autre. Deux quêtes secondaires. Ah ouais. Quatre objets trouvés. Point d'intérêt. Puis, il y en a plein. Quête secondaire, il y en a deux que j'ai pas faites, visiblement. Il n'y a pas de quête objet. Il y a plusieurs points d'intérêt que j'ai pas trouvés. Ça, c'est marrant, quand même. L'hôtel Alperine, c'est-à-dire qu'il chopait des choses, quand même. Cette histoire, il y en a deux, secondaire 9. J'ai trouvé un, quinté un, d'accord. Bon, et bah parfait, on va s'arrêter sur cette belle et magnifique carte Los Angeles. Je vous propose de se retrouver la prochaine fois pour continuer notre épopée. Je vous dis à la prochaine, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Allez voir les autres vidéos, les autres let's play, il y a plein de choses sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao ciao.